Maîtriser les intervalles est un des aspects les plus importants de l'apprentissage de la musique. Dans cette vidéo, nous allons vous décrire les aspects théoriques traditionnels de leur représentation. Qu'est-ce qu'un intervalle ? Un intervalle représente une distance séparant deux sons situés à des hauteurs différentes de l'espace musical. Mais pour pouvoir différencier ces intervalles et nommer ces distances, notre cerveau a besoin d'un outil de graduation. Dans l'histoire de la musique tonale, la gamme majeure s'est imposée au fil du temps comme le référent principal. C'est donc sur l'échelle diatonique majeure, faite de tons et de demi-tons, et contenant une suite de 7 degrés, que repose toute la terminologie musicale. Pour être totalement maîtrisé, l'intervalle doit être vu sous ces trois aspects. Premièrement, horizontalement, c'est-à-dire dans sa dimension mélodique, lorsque les deux sons sont joués l'un après l'autre. L'intervalle est dit ascendant lorsqu'il monte vers l'aigu. L'intervalle est dit descendant lorsqu'il descend dans le grave. Un intervalle peut être aussi perçu verticalement, c'est-à-dire lorsque les deux sons sont joués simultanément. On parle alors d'intervalle harmonique. Il est aussi possible de se représenter un intervalle comme une distance en tons. Pour calculer cette distance, on utilise l'échelle en demi-tons de la gamme chromatique. Mais voyons maintenant comment ces intervalles sont nommés. L'intervalle entre le premier et le deuxième degré de la gamme majeure s'appelle une seconde majeure. Cet intervalle a une distance d'un ton. Il est important de comprendre que ce terme seconde majeure va prendre par la suite un usage générique et va décrire tout intervalle ayant une distance d'un ton. D'une manière générale, le qualificatif mineur va avoir la fonction d'abaisser l'intervalle majeur d'un demi-ton. Ainsi, l'intervalle entre le premier et le deuxième degré bémol s'appelle une seconde mineure. Cet intervalle a une distance d'un demi-ton. Là encore, le terme seconde mineure va prendre un usage générique et décrire tout intervalle ayant une distance d'un demi-ton. L'intervalle entre le premier et le troisième degré est appelé tierce majeure. Cet intervalle a une distance de deux tons. L'intervalle entre le premier et le troisième degré bémol est appelé logiquement tierce mineure. Cet intervalle a une distance de un ton et demi. L'intervalle entre le premier et le quatrième est appelé simplement quarte. Cet intervalle a une distance de deux tons et demi. L'intervalle entre le premier et le cinquième degré est appelé quinte. Cet intervalle a une distance de trois tons et demi. Le terme quinte va aussi décrire tout intervalle ayant une distance de 3 tons et demi. Entre la quarte et la quinte se situe un intervalle singulier qu'on appelle le triton et qui a la particularité de diviser l'octave en deux intervalles égaux de 3 tons.
mais nous y reviendrons. L'intervalle entre le premier et le sixième degré est appelé sixte majeur. Cet intervalle a une distance de 4 tons et demi. L'intervalle entre le premier et le sixième degré bémol est appelé sixte mineur. Cet intervalle a une distance de 4 tons. L'intervalle entre le premier et le septième degré est appelé septième majeur. Cet intervalle a une distance de 5 tons et demi. L'intervalle entre le premier et le septième degré bémol est appelé septième mineur. Cet intervalle a une distance de 5 tons. Et enfin, l'intervalle entre le premier et le huitième degré est appelé, comme vous le savez, octave. Cet intervalle a une distance de 6 tons. Faites bien attention à ne pas confondre la distance de l'intervalle d'octave égale à 6 tons avec la notion de graduation en 7 degrés de la gamme majeure. Nous allons à présent analyser le fragment d'une mélodie pour mieux comprendre l'usage de ces termes. Écoutons un court extrait du thème Over the Rainbow, chanté a cappella. La ligne mélodique décrit un relief dans l'espace musical à partir d'un nombre de notes précis. Toute mélodie peut s'inscrire dans un cadre rythmique et dans le cadre de l'échelle de la gamme majeure. Mais pour bien intégrer cette mélodie dans une échelle, nous devons être capables d'identifier à quel son correspond le degré 1, que l'on appelle la tonique. Dans Over the Rainbow, la première note de la mélodie est la tonique. Nous allons identifier les intervalles séparant chaque note de la mélodie. Entre la première et la deuxième note, nous avons un intervalle d'octave ascendante. Entre la deuxième et la troisième note, nous avons un intervalle de seconde mineure descendante. Entre la troisième et la quatrième note, nous avons un intervalle de tierce majeure descendante. Entre la quatrième et la cinquième note, nous avons une seconde majeure ascendante. Entre la cinquième et la sixième note, nous avons aussi une seconde majeure ascendante. Et enfin, entre la septième et la huitième note, nous avons une seconde mineure ascendante. Nous pouvons intérioriser une mélodie sous de multiples facettes. Tout d'abord par sa mémorisation spontanée. Mais nous pouvons aussi l'observer comme une suite d'intervalles et de distances entre chaque note, comme nous venons de le faire. Une mélodie peut être aussi vue comme une suite de degrés successifs en référence à une gamme majeure. Nous pouvons alors associer à chaque degré de cette mélodie un nom de note à partir d'une des 12 gammes majeures possibles. Ce que vous devez retenir, on peut représenter un intervalle de manière fonctionnelle à travers la perception tonale de chaque degré. Un même intervalle a une représentation multiple en nombre de notes du fait qu'il existe 12 gammes majeures. Enfin, on donne un nom spécifique à chaque intervalle, auquel correspondra une distance générique en tons. Ces trois derniers points sont des connaissances analytiques relativement simples à maîtriser, mais qui doivent être nourries et motivées préalablement par un développement de votre perception sensorielle et émotionnelle. Notre plateforme Mélodia a été conçue pour vous permettre d'accéder avec aisance à ce mode de perception.